Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, on se retrouve encore ce soir. Banabetu basui bui, toko fetara na kabidi, mudi lo luemu. Wandugwa penzi, niko wenu, symphorien kalala mbalandai. Bampangi na betu, mbote na penu, mukele, mpangi na penu, symphorien mbalandai. Voilà, lelo na kolobela na ko spekule na kombo ya Mwando Msimba Christian na Katumbi. Et puis tokole kanaba na ba résultat ya ma ponami. Donc to leki déjà 15 millions déjà. Soyez branchés, ceux qui nassent ici parti aux alliés consacrés na ba propos aux séparatistes, na ba menace ya Mwando Msimba. Donc na koleka na ma ponami. Voilà, chers compatriotes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec Mwando Msimba? Bon, le fait que les Katangais, je parle du Grand Katanga, est majoritairement élu, Moïse Katumbi, je pense que ce n'est pas de la haine, c'est une situation sociologique, je pense. Et dans le Maniema, je pense que comme Moïse Katumbi était accompagné de Matata Mponyo et que c'est le coin de Skadela Kalonda, ça se justifie que il est remporté également au Maniema. Alors, quant à la haine envers les Kasaïens, elle n'est pas justifiée. C'est les Katangais qui ont détruit le Katanga. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un grand témoignage de Baba Kyungu. J'ai la vidéo, hein. Je vous montre la vidéo. Il démontre par A plus B égale C que c'est les Katangais qui ont dirigé le Katanga, qui étaient au pouvoir pendant longtemps, qui ont détruit le Katanga. Rien à voir avec les Kasaïens qui habitent le Katanga. Donc ceux qui les détestent, c'est tout simplement de la haine
de la jalousie et ce n'est pas tous les Katangais. Il paraît qu'à Lubumbashi, je ne sais pas, quelque part, le président a fait 43%, 40 et quelques pourcents. Et Katumbi, 50 et quelques. Ça veut dire qu'il y a des Katangais. Des Katangais qui ont élu Félix Tshisekedi, même en perdant. Il a eu un pourcentage assez élevé en perdant, alors que Katumbi, dans les autres provinces, il perdait avec des zéros de 1%, de 2%, de 3%. Oui, il a perdu dans le Katanga, mais il y a des Katangais qui ont élu le président Félix Tshisekedi. Eh bien, Mwandon Simba, séparatiste qu'il est, il a vendu son parti politique. Il fut ministre des Finances dans le Katanga. Il n'a goudronné qu'un tronçon d'une avenue qui s'est arrêté devant la barrière menant à sa résidence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un Katanga. Et un Katangais, des milliers huppés de Lubumbashi, qui le déclare. J'ai la vidéo en plus, je vais vous la montrer. Alors, j'ai ici la réponse de M. Denis Kadima, le président de la CENI. La réponse qu'il donne à Mwandon Simba. Écoutez, chers compatriotes, qu'est-ce qu'il dit? Quand quelqu'un demande l'annulation sans même comparer les chiffres qu'il possède à ceux publiés par la CENI, c'est que cette personne-là a perdu. Ça, c'est Denis Kadima. Dans une interview accordée à la presse, vendredi 29 décembre 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a réagi aux propos de certains candidats à la présidentielle du 20 décembre dernier, réclamant l'annulation des élections. Pour le président de la CENI, la demande d'annulation des scrutins faite par ces derniers, sans toutefois procéder à la comparaison des résultats en leur possession à ceux de la CENI, est une preuve qu'ils ont échoué. Quand quelqu'un demande l'annulation sans même comparer les chiffres qu'il possède à ceux publiés par la CENI, c'est que cette personne-là a perdu aux élections, a-t-il dit. Et le journaliste de continuer. Rappelons que dans leur déclaration, les candidats Dili Mukwege, Martin Fayulu et Théodore Ngoï exigeaient l'annulation des élections, évoquant les irrégularités constatées le jour du vote. Y compris Mwandon Simba, y compris Moïse Katumbi également, qui demandait le recours à l'article 64. Vous savez très bien ce que veut dire l'article 64. Et c'est pour cela que Moïse Katumbi aura des problèmes. Monsieur Katumbi, quant à lui, avait dans un premier temps revendiqué être en tête de la présidentielle. Malgré des irrégularités, il demande aussi l'annulation du scrutin. S'agissant des irrégularités, d'après plusieurs missions, suivez, hein, d'après plusieurs missions d'observation électorale, notamment la plus importante d'entre elles, la MOE, Cinco et CC, ces irrégularités sont circonscrites et ne sont pas de nature à impacter la crédibilité des élections. Ces irrégularités sont circonscrites, c'est-à-dire ces irrégularités se trouvent dans certains cercles, dans certaines circonscriptions. Pas beaucoup de circonscriptions.
C'est là, c'est ça que veut dire irrégularité circonscrite. Et ça n'a pas d'impact sur la crédibilité des élections. Les catholiques et les protestants ont affirmé qu'un candidat s'était largement démarqué des autres candidats à la présidentielle avec plus de 50% de suffrages exprimés, chers compatriotes, pour une certaine opinion. Ce candidat est sans aucun doute Félix Tshisekedi. Termine le journaliste Christian Dimagnahi du média 7, sur 7.cd. Voilà, chers compatriotes, c'est clair. C'est pour ça que Moïse Katumbi a des problèmes. Nous apprenons que on l'a empêché. Et paraît-il qu'il y avait des tirs à l'aéroport de Loano, à Lubumbashi. On l'a empêché de partir à Calémier. Il paraît qu'il voulait se rendre à Calémier, rejoindre Mwando Nsimba. Voilà, chers compatriotes, jusqu'à présent, la situation n'a pas changé. Alors, nous avons un grand témoin, un citoyen, il ne dit pas son nom, mais avoir sa façon d'être, le milieu dans lequel il se trouve à Lubumbashi, il paraît que c'est un citoyen congolais qui n'est pas monsieur tout le monde. Il est des milieux huppés, je pense. Alors, regardez. Ensuite, je vais vous montrer le grand témoignage de Baba Kyungu concernant les mauvaises idées reçues, les idées reçues contre les Kassaïens. Il démontre par A plus B, je le répète encore, que c'est les Katangais eux-mêmes qui ont détruit le Katanga. Regardez. Chers Congolais, je me tiens devant vous pour répondre à un soi-disant leader congolais et leader katangais, puisque moi je suis un katangais. Je réponds à Monsieur Christian Mwando. Monsieur Christian, vous avez parlé de la rue, qu'après la publication des résultats, puisque vous, votre candidat ne va pas passer et que les gens doivent aller réclamer sur la rue. Est-ce que vous, d'abord, vous connaissez la rue? Vous, monsieur Christian, vous connaissez la rue? Vous avez fait la rue où? Est-ce que vous, là où vous êtes, vous n'avez même pas de fanatiques? Vous n'avez même pas de militants? Vous n'avez même pas de combattants? Alors, de quelle rue vous êtes en train de parler? Il ne faut pas distraire les gens. Monsieur Christian, il ne faut pas distraire les gens parce que moi, je vous connais personnellement. OK? Même les gens de votre quartier ne peuvent pas voter vous. C'est la raison pour laquelle vous êtes allé à Moba, à Kalemie, ne fût-ce que pour encore profiter et hériter du nom que papa a laissé. En dehors de ça, vous, on ne vous connaît pas. On vous connaît d'où? Parce que quand vous étiez ministre de Finances au Katanga, puisque le Katanga vous a tout donné, vous êtes fait appeler argentier du Katanga. Argentier du Katanga avec quel argent? L'argent du contribuable. Vous avez été ministre de Finances. Vous avez asphalté une avenue qui est allée jusqu'au niveau de votre barrière, ça s'est arrêté. Et le pauvre Congolais, les pauvres voisins n'ont pas bénéficié de cet asphaltage. Et vous allez dire que vous, vous êtes un patriote. Vous, là, vous êtes un patriote. Arrêtez ces histoires-là, monsieur Christian. Vous avez parlé de la victoire, que Kadima va vous voler la victoire. De quelle victoire il va vous voler? Même s'il s'avérait qu'aujourd'hui, le Katanga pouvait voter Moïse Katumbi 100% et que M. Félix devrait avoir 0%, ce n'est pas pour autant que M. Katumbi devrait passer président de la République. Arrêtons de manipuler la population, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas normal. Le Katanga n'est pas la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, avec les résultats qui sont sortis, qu'on n'a pas eu à voter massivement le chef de l'État, oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que les soldats que le chef de l'État a envoyés n'ont pas fait une bonne campagne, ils n'ont pas fait la campagne pour que cette majorité silencieuse qui aime le chef de l'État pouvait le voter. C'est juste ça. Parce que ces gens avaient un pied dedans, un pied dehors. Et ces gens étaient en train de faire
comment est-ce que j'appelle, la propagande pour vous. Voilà maintenant pourquoi vous êtes en train de réclamer. Ce n'est pas un problème. Moi, je suis un Katangé. Nous assumons, bien que les soldats que le chef de l'État avait envoyés pour sa campagne n'ont pas été à la hauteur, nous, nous sommes là. Nous, nous assumons, ok, et que nous, nous allons continuer cette bataille. Autre chose, M. Christian, vous avez parlé de votre papa, que son âme repose en paix. Mais même là où il est fâché contre vous parce qu'il a laissé un patrimoine Katangé qui était l'UNADEF. Vous, vous avez vendu ce parti politique. UNADEF aujourd'hui existe. Mais avant que papa Mwando ne meure, il avait laissé ce parti. Ce parti est où? Par votre cupidité, parce que vous voulez tout hériter et tout détruire. Voilà maintenant votre leader là qui vous demande, à vous les Katangais, d'aller sur la rue pour revendiquer. Demandez à lui-même d'aller sur la rue. Comme ça, ça sera la première personne qui va défier l'État, qu'on va arrêter par la police, on va le mettre en ouf et il comprendra c'est quoi l'autorité de l'État et c'est quoi la rue. Arrêtons de faire semblant. Toi, tu ne connais même pas les sentiers politiques de la rue. De quelle rue, toi, tu veux parler? Toi, tu connais la rue, toi? Toi-même, quand tu regardes là, tu as déjà eu même une pierre sous ton corps, là, pour la rue? Tu as déjà eu un fouet? Arrête ces histoires-là. Toi, tu seras dans ton salon climatisé et tu envoies les Katangais. Chers Katangais, il ne faut pas suivre cet appel de ce soi-disant leader. Il n'est pas un leader. Lui, il hérite tout de son père. On lui a laissé un patrimoine Katangé qu'il a vendu. Et vous allez faire confiance à une personne comme ça? Arrêtez cette histoire. Ce monsieur, même ses amis, ne sont pas avec lui. Quand il était ministre, il suffirait seulement qu'un de ses amis l'appelle pour lui dire « Bonjour Christian ». Il se fâchait parce qu'il voulait se faire appeler toujours « Excellence honorable ». Voilà maintenant sa nervosité. Il veut toujours entrer dans le, dans le système. Arrêtez ces histoires. Cher Katangé, après la victoire, nous devons célébrer la victoire de la personne qui va remporter les élections avec une coupe de champagne et en train de glorifier l'Éternel. Merci beaucoup. Voilà, chers compatriotes, concernant les élections, nous n'avons pas compris ce qui s'est passé dans le Katanga, à moins qu'on cherche d'autres explications. Devant la mobilisation que nous avons vue, Bernadette, s'il te plaît, devant la mobilisation que nous avons vue, oh là là, permettez, on me dérange avec le téléphone. Badian, rappelle-moi plus tard, je suis en train de faire une émission, voilà. Je reprends, chers compatriotes, ça arrive qu'on téléphone pendant que l'on fait une émission. Il se fait que nous avons remarqué une foule nombreuse qui a accueilli le président Félix Tshisekedi dans le Katanga pendant ses déplacements dans la campagne. Mais, par contre, ceux qui sont venus voter, donc ce nombre-là n'est pas proportionnel du tout. N'est pas ce nombre-là, ces foules nombreuses-là. Donc, le nombre des votants n'est pas proportionnel aux foules nombreuses qui se sont présentées dans la campagne. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas voté pour lui parce qu'il est kassaïen? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'à cause de la haine envers les kassaïens, ils n'ont pas voulu voter pour lui? Est-ce qu'ils ont écouté le discours séparatiste de Moïse Katumbi qui clamait tout haut que les talibans ne l'aiment pas? Un certain peuple d'un certain village ne l'aime pas. Est-ce qu'ils ont écouté ce discours-là? Mais c'est comme si. C'est comme si. Sinon, il n'y a pas d'explication. Est-ce que si Félix Tshisekedi n'avait pas été un kassaïen, est-ce qu'ils auraient voté pour lui? Point d'interrogation. Mais
Voilà, c'est un faux discours, c'est des idées, de fausses idées reçues d'après Baba Kyungu. Parce que d'après Baba Kyungu, c'est les Katangais eux-mêmes qui ont détruit le Katanga. Écoutez, chers compatriotes. Ok, je donne au Katangais 22 ans de pouvoir. Oui ou non? Oui. Alors qu'est-ce qu'on a fait du Katanga? Morcelé, Katakatang, c'est tout ce qu'on a fait. On a fait le Katakatang. Alors, maintenant, avec tout ça, toute la situation que nous connaissons sociale, la vie chère, la misère, tout et tout au Katanga, maintenant, on veut faire porter ça sur Félix. Quand il avait le pouvoir, donc il avait tous les pouvoirs, les Katangais avaient tous les pouvoirs pour faire de cette province un paradis terrestre. Rien. Vous avez des entités devenues aujourd'hui provinces, par exemple les Olomami, comme recette. Il faut vendre les chenilles, on met la danse, bon, il n'y a rien, les Olomami. Donc on a découpé pour le plaisir de découper. Mais enfin. On a fragilisé le Katanga qu'on a découpé. Quel est ce Kassaye qui est venu découper le Katanga? Quel est ce Kassaye qui a interdit aux Katangais de se tailler la part des lions pendant qu'ils étaient au pouvoir? Maintenant, pourquoi ils sont devenus boucs émissaires? Qu'est-ce que Félix a fait? Ce que vous êtes en train de dire là, c'est une façon de récupérer. Maintenant, il parle espace katangé. Nous sommes. Nous, on nous disait, vous êtes des tribalistes, vous êtes des gens qui veulent diviser. Nous sommes des grands nationalistes. Dieu nous a donné 22 ans, nous, katangé. Qu'est-ce que Félix avait à voir? C'est Félix qui nous avait dit, non? Découpez-vous, comme ça vous serez mieux, vous allez vous développer mieux que tous les autres. C'est du chantage. Et ça a coûté la vie des jeunes gens ici qu'on a envoyés à l'abattoir. C'est du chantage. Je m'insurge contre cela tous les jours. Félix n'a rien à voir avec la situation de misère qu'a le Katanga malgré les richesses. Ici au Qatar, ceux qui étaient là sont devenus des multimilliardaires. Donc l'égocentrisme, je suis psychologue, a été développé de la manière telle que c'est aujourd'hui qu'il se retourne ici pour dire nous sommes Katangais, les Kassaïens nous font ceci. Vous savez, c'est plus que des sorciers. Oh, mais oui! Dites, vous aviez tous les pouvoirs, tous les pouvoirs. C'est comme nos frères, les Bangala, ils avaient 30 ans, je ne sais pas. 32 ans. Ah, voilà. Nous quand même, au nom des Bangala, oui, à la forêt, on allait développer les bois et tout ça. Nous allions être au paradis parce que j'étais ambassadeur du Congo à chose, en Arabie Saoudite. Les bois, c'est des milliards. Ils ont voulu, les Saoudiens voulaient prendre des espaces entiers de la forêt équatoriale. Nous pouvions être encore plus riches. Bon, voilà, et là-bas. Et nous ici, cuivre, or, de quoi encore? Et tout. Balte et tout. Nous pouvions même inventer des Spoutniks et avoir chaque village au moins 4. Non, mais c'est quand même. D'accord. On a fini. Dernière question, élection 2023. Pourquoi vous me découpez? Pour vous dire que c'est faux. Ce ne sont pas les Kassaïens qui ont rendu les Katangais malheureux. Ce sont les Katangais qui ont rendu les Katangais malheureux. Comme le Congolais est un loup pour le Congolais. Ah voilà. Donc qui se taisent. Qui se taisent. Ils veulent maintenant dire, bon... 23, hein, comme vous là, vous dites, hein, vous là.
tout le monde voit 23. Mais 2023. Les évêques ont parlé de 2023. On est en train de finir l'émission. Mais où est-ce qu'on met les évêques COVID? Ont parlé de 2023. Où est-ce qu'on met les COVID? Où est-ce qu'on les met? Ça veut dire quoi, où est-ce qu'on met le COVID? Comment? Vous pouvez travailler avec le COVID? Quelqu'un prend le pouvoir quelque temps après COVID. Il travaille ou bien il s'occupe de COVID? Est-ce que c'est écrit dans les... Pour vous, 2023, il ne faut pas qu'il y ait élection? Non! Les évêques ont mal fait. Moi, je n'ai rien dit. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on doit tenir compte de COVID. C'est tout. Tenir compte de COVID, ça veut dire... ça n'a pas été prévu dans la loi électorale. Mais ailleurs aussi, il y a le COVID, mais les élections vont être organisées. Mais nous, qui a dit le contraire? Qui a dit le contraire? Je n'ai pas dit le contraire, mais j'ai dit aussi qu'il faut tenir compte de l'aspect COVID. Alors, voilà, chers compatriotes, vous avez entendu. Retenez cette vidéo, elle est très importante pour les générations futures. C'est pour la paix, pour l'unité et pour combattre le tribalisme, chers compatriotes. Et là-dessus, nous clôturons et nous passons dans quelques minutes aux résultats des élections. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ouais.